C'est... Bon, je suis sûr de vouloir quitter le jeu. On va du coup passer à l'autre jeu qui était prévu pour ce soir, que nous allions commencer. Je vais récupérer. Je vais récupérer. Voilà. Ok. Je n'avais plus de quoi scroller. Il n'y a pas énormément de monde qui les a eu, ces Success Team, n'empêche, sur Brothers. Mais très 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 bon jeu. Il est à combien sur Steam? Il est à combien si jamais ce jeu vous intéresse? 14,99€. Peut-être moins subtil qu'un Ico ou Shadow of Colossus, il reste tout de même très émouvant et touchant, selon un des curateurs que je suis sur Steam. 14,99€ et je crois qu'il était à moins 90% lorsque je me le suis procuré. Donc il était tout à fait accessible. When the past was around, on va pouvoir le lancer et l'afficher. M'en fous déjà. Déjà, regarde le restream. Si jamais le jeu t'intéressait, n'hésite pas aussi à te le procurer ou à vous le procurer. Je pense qu'en stream, ça doit rendre pas si mal. Pour un jeu d'aventure, j'ai l'impression que c'est bien. Et maintenant, nous sommes sur When the Past Was Around. Est-ce qu'il traduit ce jeu? Page du magasin. Il fait comme à chaque fois. Settings, language. Il sera traduit. Un écran on, oui. Musique. Effets sonores, on va les baisser un petit peu. Et ça aussi. Je ne veux pas effacer les données, voyons. Et on est sur un jeu en français. J'espère que ce sera plus joyeux, hein. J'espère que ce sera plus joyeux. C'est Euclidienne qui vous l'a recommandé, celui-là. Qui vous a dit, votez dessus, votez pour celui-là sur le Discord. J'espère que... Vire la manette, oui. Oui, je vire la manette. Je vire ma tête aussi ou pas? Non, c'est trop drôle, ça. Il n'y aura pas ma tête vendredi, donc allez, je laisse ma tête. Ça me fera plaisir. C'est qui? C'est Canadien. moi je vais dodo, la bonne soirée tout le monde et merci pour tes 10 bits Alexei, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à toi, merci d'être passé, merci encore pour tes bits, pour les 10 et les 10. C'est pas l'hymne russe mais c'est tout comme et ça fait tout autant plaisir. Merci beaucoup, merci. Les bisous. De quoi? Non, c'est qui? C'est Canard Tichot. Ah, c'est bon. Mais les 10 bits, enfin chez Alexei, à chaque fois que je donne 10 bits, c'est l'hymne russe, du coup c'est pour ça, c'est oui, les. Je t'ai fait rater un poisson. J'ai hâte de voir quelles seront les alertes de bits chez Milky d'ailleurs. J'espère que tu feras des alertes de bits personnalisées. Tu vas y passer un temps fou. Et faire comme chez Chamy, quoi. Chamy, il a des alertes un peu rigolotes. Lynn a fait j'adore les bits. Voilà. Avec de l'écho. When the past was around. Avec des plumes d'oiseaux par terre. Et un homme, une silhouette dans une cage. On peut l'attraper. On ne peut pas retourner en arrière. Et on ne peut pas toucher les bords, c'est marrant. Et là, ce sont les indices. Non, on ne veut pas d'indices. On va ouvrir la cage. Tu es libre. Tu te lèves. Tu t'approches de moi. Je te connais pas. Ah, tu m'as fait apparaître une porte. Je te pique ton tabouret, non? Il me faut déjà les 3 viewers. Mais ça va venir. Tu progresses avec Unit. Je trouve que ça avance bien. Je peux pas mettre forcément facilement en l'heure qu'au boulot. Parce que tant que tu n'es pas affilié, tu t'affiches en 720. Et du coup, bah, ça me pourrit la. Ça me pète la, mon forfait 4G. Mais on va trouver, on va trouver, on va y arriver. Ça va le faire. On ouvre la porte. Deux paires de chaussures. Des clés. Mon inventaire est en bas. Eh, je les ai vus, j'ai un porte... Il est mignon le porte-clés. Je peux regarder dans les tiroirs. Ils sont presque tous fermés. Si j'utilise la clé dessus, je peux récupérer un souvenir. Il y a un Success Team qui s'est débloqué. Chamy a surgaléré, mais il dit dit. Oui, voilà, il a réussi à passer affilié et maintenant le meilleur est à venir. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire passer partenaire pour qu'il rentabilise tout de suite ses... Ces emotes animés, ou bien attendre que Twitch le rende autorisé pour tout le monde, ce qui devra arriver dans peu de temps. Excusez-moi, j'ai branché mon téléphone, j'étais à 10% de batterie.
J'ai récupéré donc un tableau avec une photo à moitié déchirée de monsieur et le Success Team souvenir. Ok. Je peux refermer, récupérer la clé? Non. Ça ne me servira pas plus. Bon, allez. La lampe, on s'en servira pas autrement. Je peux me déplacer comme ça sur la carte. Je peux ouvrir le carton. Et rien d'autre. Je peux aussi cliquer comme ça. Ranger les chaussures. Récupérer une autre clé. Qui va ouvrir ce tiroir. J'espère que ça va bien se passer. On a récupéré un cutter. Bien sûr, le cutter va nous servir à ouvrir le carton. Oui, oui, oui. J'ai fini le cours, j'ai récupéré un cutter. Oui, le gamin, il a sorti le cutter pendant le cours. Et on récupère une plume. Vous n'attendez pas à ce que j'aille une droite de brebis et qu'il fasse plume le pic, s'il te plaît. C'est trop bête, il m'a filé. Oh, c'est Franglish. Maintenant, il a un violon et... Et il s'est drapé. Il me tend la main. Et il veut ouvrir une autre pièce. Ok. J'avais pas tout regardé. J'ai pas l'impression que j'avais tout regardé. Je peux pas revenir en arrière? Je suis obligé d'avancer? Bon. J'espère que je vais pas skip des trucs qu'il aurait fallu faire. Donc on va faire comme on fait d'habitude. On va explorer les à côté. Avant. On peut regarder le piano. Pardon, excusez-moi. Je viens de jouer pirouette cacahuète sur un piano dans le jeu. Pourquoi pas? Donnez-moi un jouet pour gamin, je fais la même chose. Par contre, il y a des symboles, donc il y a certainement un truc à faire. Nous récupérons un petit hibou tire-bouchon. Une batterie. Coucou Tam Tam, si tu es là. Nous pensons fort à toi. Ah, j'ai fait tomber d'autres clés. Ah, il y a plein de clés partout ici. Là, il n'y a rien. Là, il y a... C'est quoi ça? On dirait un bout d'oreille, mais c'est pas une oreille, c'est... Non, je ne sais pas ce que c'est. Plein d'objets qui remplissent l'inventaire, ça j'aime bien. Une petite boîte... On va l'ouvrir avec une clé plutôt qu'avec un morceau d'oreille, n'importe quoi. Il manque un autre morceau, il manque autre chose. Alors, quand ça fonctionne, ça s'affiche comme ça. Je peux tirer dessus. Il manque autre chose. Il me manque autre chose. Il me manque autre chose sur la boîte. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien le hibou qui va dessus. Coucou Danosprey. Comment ça va ce soir? Nous avons un ordre. Carré. Cœur. Enfin, je le note. Le hibou, tu le tournes? Ah, il me manque encore un élément à glisser ici. Qui va nous manquer pour pouvoir le faire tourner et ensuite qu'il retourne dans l'autre sens. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une armoire. Ouais, la pièce, elle est assez grande. Okay, c'était pas une oreille. C'était une clé de sol. Mais oui. Une clé de sol. J'aime bien l'approche musicale et tout, artistique. C'est très très mignon. J'ai tombé la poubelle, j'ai récupéré... La manivelle, je balance tout par terre, regardez ça. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Ta, 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 ta. Je sais pas si ça fait ça. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Ça va. Ça va, ça va. Il y aura certainement un autre objet qui sera débloqué avec ceci. 3, 4. Des petites punaises. Non. On va aller déjà le ranger là-bas. Ah, il n'y aura peut-être même pas besoin, en fait. Ça, ça va là.
On va utiliser la manivelle sur ce petit objet. Hop là. Beaucoup triste ou net. Il y a un petit oiseau qui s'est fracassé sur la fenêtre du salon et est mort dans mes mains. Oh non! C'est super triste ça. Oh non. La manivelle, c'est pour tourner le hibou. Ouais, ouais, ouais. Oh non, c'est super triste. Ça m'était pas arrivé souvent, ça, mais quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi... Pourquoi l'oiseau, il allait pas mieux quand on lui donnait des gâteaux et de l'eau quand ça arrivait. Ça me laisse pas des bons souvenirs. Zut. C'est parce que... Si, c'est ce que je voulais faire. C'est bien ce que je voulais faire. Je viens juste de l'enterrer. On en avait trouvé un l'année dernière. Ouais. Et on était allé le porter au cimetière, on savait pas où le mettre et on l'avait porté au cimetière. Discrètement. Parce qu'on n'a pas de jardin, on a un appart. Mais du coup, on a badé pendant une demi-journée comme ça parce qu'on a trouvé le petit oiseau. Donc on compatit. La manivelle, c'est une chanson d'oiseau. Je l'ai pensé tellement fort, Milky, si tu savais. Je compte sur tes blagues pour nous mettre de bonne humeur, parce qu'entre le jeu qu'on a pris juste avant et les petits oiseaux et tout, ben c'est... Voilà. Continue tes blagues, Milky. Continue avec plaisir. Nous avons ici des tasses. Je ramasse des tranches de pain de mie ou de brioche. Ça met du baume au cœur, la brioche. La brioche, c'est le bien. Bon, j'évite de penser que j'ai pas trop le droit, mais... Et tu crois que ma mère elle a le droit à la brioche? Non, je crois pas. Mais je casse tout. Il y avait une éponge. Je casse tout dans ce jeu. Mais c'est incroyable, ça. Mais pourquoi je fous tout par terre? Une boîte à bento. Un robinet. Vous pensez qu'il y a un succès Steam pour casser tous les pots de fleurs? Parce que là, je suis champion pour l'instant. Une caisse que je ne peux pas ouvrir. De quoi? Ah ouais, non, mais là, je défonce tout, là. C'est un point and click, un point and click and destroy. Ah, on peut... Si je mets la brioche là, non, ça marche pas. J'aurais bien mis la brioche sur la fenêtre. Là, il y a un... ventilateur, non. Enfin, c'est un... pas une turbine, mais une hélice d'aération. Là, il y a un bouton pour l'arrêter. Nous pouvons récupérer... une aiguille de l'horloge. Les énigmes sont pas compliquées. Elles s'enchaînent facilement. Elles sont agréables. Elles sont bien dessinées. J'aime beaucoup le style graphique. On va brancher... je ne sais pas ce que j'ai branché. Certainement un appareil électroménager. Ah, le blender. On va évidemment mettre la brioche dedans. Quoi? T'es sérieux? Ah, c'est pour les oiseaux. Ouais, c'est pas parce que c'est pour les oiseaux qu'ils font faire n'importe quoi. Un peu de respect. Qui veut un café? Personne. Personne veut de café. Évidemment. On fait couler de l'eau. On met l'éponge dedans. Il y avait déjà de la mousse. Ça nous fait de l'éponge. De l'éponge avec de la mousse. De l'eau moussante. Voilà, on éteint. On a épongé. L'éponge est propre. Excusez-moi, j'ai pas fini mon travail de sap. Faut casser tous les pots de fleurs. Je pense que là j'ai tout cassé. Les oiseaux, vous allez manger. Oh, il m'a apporté un petit courrier, il est mignon. Il m'a apporté ma lettre pour Poudlard. On va mettre l'aiguille. Quelle heure est-il? Ah, je vais pas piffer quand même. Je vais pas faire un coup d'éponge dessus. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Là, y a... si, il faut éponger là. Au 1915. Enfin, 19h15, quoi. Je peux pas le casser, celui-là. Pourquoi je casserai les potes, là? 19h15. Oh, mais oui, trop doué, le mec. 19h15, on a dit. Voilà. Et on a récupéré un pied de biche. Qu'est-ce qu'on va défoncer avec le pied de biche, ça? Non. Pas ça. Hmm.
petit cœur avec les ailes. On va pas ouvrir ça quand même. Pour le ventilateur. Alors pour bloquer l'hélice, on a déjà l'interrupteur qui est là. Mais le pied de biche ne marche pas pour ça. Il va y avoir autre chose. Mais oui, je suis bête, j'avais déjà oublié la caisse. J'avais oublié la caisse à l'intérieur de laquelle il y a une petite clé. Clé qui va me permettre d'ouvrir le tiroir du bas. Non. Un des placards qui est là. Non. J'ai raté un truc. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai raté quelque chose? J'avais raté un pot de fleurs déjà, c'était important. Pardon, j'ai dû faire peur à l'oiseau. Mais oui, évidemment que j'ai raté quelque chose. Moi, dans les escapes, je suis un spécialiste pour faire perdre du temps à l'équipe. Hein. Des fois, j'ai des associations d'idées qui fusent, mais le truc le plus logique ne pop pas forcément. J'ai récupéré la nouvelle plume. Nous allons pouvoir avancer au tableau suivant. C'est bien aussi ce système d'enchaînement de tableaux. C'est beaucoup plus agréable qu'un jeu où vous devez retourner en arrière, où on perd du temps, entre guillemets, ou qu'il faut analyser de manière globale. Là, enchaîner les plans, ça fluidifie l'expérience. C'est bien aussi. Allons-y. Ouais, les dessins sont très réussis. Les musiques vont bien avec. Les énigmes sont cool. Et l'univers est cool. Hein. Vous avez bien fait de le choisir, ce jeu, sur le Discord. Vous avez bien fait. Ça a été très juste pour celui-là. Ça a été très très juste. Il a eu 6 votes, et au deuxième tour, il a été... choisi in extremis. J'attrape des notes, mais... Mais ça n'a pas l'air d'être les bonnes. Qu'est-ce qui t'arrive, chaton? Parce que là, je vais vous montrer... Ah, du temps bas! Je peux pas vous montrer. Les doubles croches sonnent comme des croches. Je n'ai pas fait de solfège. Du coup, je... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh là, ça tourne mal. C'est très joli aussi, mais ça tourne mal. Et j'ai gagné le succès prologue. C'était une forme de tuto, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans un cimetière. Il y a de la musique qui sort d'ici. Je ne peux pas attraper les notes. Je peux casser les pierres tombales. Mais non, mais... Mais regardez-moi ça. Non, mais non, faut pas faire ça. Bah oui. Qu'est-ce qu'on a ici? To my dearest. Avec un beau rubis dedans. Non, faux, bien sûr. Je ne pillerai pas une tombe comme ça. Comme un vulgaire joueur de RPG. On a tout défoncé. Hein. On est en train de tout défoncer à chaque fois. Requiem. D'accord, j'ai gagné un succès, Requiem. Requiem, c'est un Pokémon... c'est un non, Pokémon... C'est une attaque. C'est une attaque d'un Pokémon qui rappellera des souvenirs à Lénore. Oui. Merci Streamlabs, on discute de Cook sur des Pokémon plein de plus sur Discord. C'est bien essayé. Discord et le Streamlabs et le contre-temps.
Sa spécialité. J'ai actionné une poignée. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non. Je n'ai pas l'impression. Le panier, on l'a déjà regardé. On peut ouvrir ici. Le concours n'étant pas. Le but de la soirée n'est pas de savoir lequel des deux jeux va être nous faire le plus bader. Hein. C'est pas ça le but. C'est prendre du plaisir sur les deux. Une pièce avec plein de cartons. Une manivelle à volant. Je sais pas comment ça s'appelle. On va mettre ça là. Hein. Voilà. On tourne, tourne, tourne. Derrière le rideau. Success Team débloqué. Ah, on est déjà venu ici. Ouais, ça a ouvert la porte. Du coup. Tu veux que je te libère encore? Oui, mais je vais aller rechercher. Oh, tu m'apportes une boîte. Mais je connais cette boîte. Je l'ai déjà vue. Oui, j'ai déjà vu cette photo. Non, c'était un peu la même. Elle vient de s'effacer sous mes yeux. Et ça siffle dans les oreilles. Elle joue pas très bien là. Ah bah non, casse pas le violon! Bah oui, mais maintenant c'est trop tard, tu l'as cassé. Streamlabs qui réessaye. Faudrait mettre un message de Streamlabs hyper positif pour les jeux où ça où c'est où ça se passe pas très bien. Bah ouais, ça coûte un bras. Une boîte de souvenirs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Un cutter. Des places de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer ici? Rien de spécial. On a récupéré le cutter. Bon, une valise avec du Chatterton. Pas du gros scotch, quoi. Pas ouvrir ici. Des couteaux pour les cordes. Ça se passe trop mal. C'est une idée, hein? C'est une idée avec ça. Donc je vais évidemment ouvrir le tiroir. Cette petite porte avec le cutter, bien entendu. Je crois qu'on les a balancés les bouquins là. Ah non, on les range! Waouh, vous avez vu, je suis un expert du rangement. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Nickel chrome, on a rangé tout et on a gagné un succès Steam. Je peux mettre en route le ventilateur? Non. Par contre, je peux utiliser le cutter pour couper les cordes qui sont là. Allumer la télé. Non, il me manque le bouton de la télé. Quelle drôle d'idée de planquer le bouton de la télé. Le scotch, il va me servir à quoi? Je vais essayer le scotch dessus. Ça sert à grand chose. Tout le tapis, on a une clé. Qui va nous permettre d'ouvrir. Ça. On a le bouton on qui est dedans. Mais oui. Quelle idée de planquer le bouton on. Je vais cacher ça parce qu'on va avoir que des trucs nuls. Ok. Je joue du violon. Je joue du violon. Je joue du violon mais je fais la tronche. Je joue du violon, ça fait plaisir à mes parents. Je joue du violon avec mes parents qui ont vieilli. Et d'autres gens s'y intéressent. Faut le mettre dans l'ordre. Faut mettre ça dans l'ordre. C'est ça le truc, faut mettre dans l'ordre. Donc, on commence par je suis une gamine, ah, c'est trop bien le violon. Puis je joue avec mes parents, oh ils sont fiers de moi. Ils me présentent à d'autres gens. Celui-là, celui-là, ensuite celui-là, et le dernier c'est celui-là. C'était bien dans un ordre particulier à mettre. Les énigmes sont assez accessibles pour le coup. Hein. Dans un livre d'album de famille. Hop! On a plein de petits souvenirs, c'est intéressant quand même. Et du coup, il fallait bien reconstituer l'histoire. Et on a trouvé une clé et du gros scotch. Gros scotch qui pour l'instant ne nous sert pas. On va pas pouvoir réparer le violon avec du gros scotch. Je sais pas ce qu'on va faire avec d'ailleurs.
nous reste un truc. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas quoi faire avec le gros scotch. J'ai peur de rater un truc si je fais ça. Non, il n'y a rien de particulier à faire ici. Et... et je ne vois pas ce que nous pourrions faire avec le gros scotch. On va le garder pour plus tard. Sur les affiches contre le mur, il y a de l'information. Non. Rien de spécial. Il y a ça qu'on n'a pas touché. Non, je pense que non. Ça doit être à garder pour plus tard. On tourne la porte. Il y a des plumes à l'extérieur qui nous invitent à suivre un chemin. Avec des notes de musique qui sortent d'ici. On peut pas les ramasser. Et donc on a toujours notre... ok, c'est un code comme ça. Là on n'en a pas besoin. Là on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut passer ici? Est-ce que mon personnage peut se déplacer? Non. Il ne peut pas se déplacer. Là on a le code, ok. La clé, une blanche, une double, une noire. La clé, une blanche, une double, une noire. Ça va, ça va. Pas fait de solfège, mais ça va. J'ai gagné un bouton. Un bouton avec une note dessus. Qui pour l'instant est une inconnue pour moi. Et le vélo, est-ce qu'on peut faire autre chose dessus? J'ai pas l'impression. Il m'a manqué un bouton. Oui, mais... ah bah oui. Évidemment, il va me servir à ça, le Chatterton. Regardez, je suis électricien dans la vie. Et là, ça se passe bien. C'était pour la sonnette, bien sûr. Ça va vite. Pour l'interrupteur à côté de la porte. Tu l'avais vu avant moi. Avec le délai, je sais que tu l'avais vu avant moi. J'arrive dans cette pièce et il y a quelqu'un qui joue. Juste derrière. Est-ce qu'il y a autre chose à attraper avant? Non. En plus, là, ou quelle que soit la note sur laquelle j'appuie, ça fait la même mélodie. Une nouvelle plume. Là, il n'y avait pas vraiment d'énigme. Quand la porte s'est ouverte, c'est un succès Steam qui s'est débloqué. Oui, Vital. Si tu veux faire, si tu veux ton or de gloire. Viens là et je te fais passer devant la cam. On mettra une 4 cam à la place, ce sera plus drôle. On piquera les bonnes idées d'Ocli. Personnellement, je ne dirais pas non parce que ça m'arrangerait beaucoup de montrer plus le chat que moi-même. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme variante cette fois-ci? Il me tend les bras avec un violon. Cette boîte, on la connaît. On retrouve des clés, une manivelle. Peut-être est-elle meilleure chanteuse que violoncelliste, que violoniste. Du coup, je pense que là, elle a un violon. Peut-être, peut-être. Oh là là, chaton, oh là là, je bouge, oh, je veux pas, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Voilà, tête de chaton.
Oh. Il a appuyé sur le chargeur. Ça fait paniquer le PC. Voilà. C'est l'heure de voir Beetle. Minitel, Beetlejuice. Mignon, mignon mais pas pratique. Mignon et pas content, ça passait aussi. Et ça, c'est Sirius. Sirius. Faut regarder là. Tu regardes là? Ouais. C'est mignon. Et voilà. Mouah. Sirius, c'est pitrouille, ouais. Il est pas content parce qu'il a faim là, c'est pour ça. On va pouvoir mettre ici. Hop là. Oui, bien joué pour les commandes. J'aime les rayés plus que tout. Oh, bah, le rayé c'est Sirius. Il y avait un foulard. Les acouphènes. Merci beaucoup pour les commandes. Sirius, il a échappé à un destin tragique alors qu'on n'avait pas prévu d'avoir un autre chat. Et quand on nous a expliqué, enfin quelqu'un de photogénique à la cam, PS, il est pas content, il était pas content. Bien joué. C'est vrai que t'es beau, Minitel. Bientôt 11 ans et demi quand même. Beau chat. C'est un chaton, mais voilà. Ah, on dirait notre frigo avec les danettes au chocolat, avec les danettes à la vanille et au spéculoos. On a fait un morpion. Alors, je pique une carte bancaire. Non, j'ai piqué un billet. Ah, il y a beaucoup de zéros. Waouh, un billet de 50 000. Vous aussi, vous prenez des billets. Exactement, vous aussi, vous prenez des billets de Monopoly dans votre poche. Parce que là, ils ont voulu faire un morpion. Ils ont. Oui, peut-être, peut-être. Tic-tac-toe, oui. Tic-tac-toe, ça s'appelle aussi comme ça. Tu veux de l'argent? Tiens, I give you money. Voilà. Maintenant, je t'ai donné l'argent. J'ai le droit de voir ce que je veux? Ah non, bah non, j'ai compris. Coucou Minirius. On va refaire le même symbole que ça. Qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non? 5, 4, 2, 2, 2, 3. Ah! Bah non, il y en a 4 sortes. Il y en a 4 sortes sur ce tic-tac-toe. Ouais, je t'ai piqué du thé, du café. C'est du thé ça? Oui, c'est du thé. Café Innoman, il me jugerait si je confondais le thé et le café. Surtout qu'il y a des fois qu'il m'a posé la question, thé ou café? Et j'ai répondu boisson énergisante. Il a pas aimé la réponse. Hop. On peut pas tirer le rideau là? Non. On peut pas défoncer la plante? Oh là, tout se perd. Allez, c'est ma tournée. Qui veut du café? C'est un peu fort pour moi. Le café sur le tic-tac-toe? Le café sur le tic-tac-toe? Ah, on peut essayer? Non, ce n'est pas ça. Ça aurait pu. Pour l'instant, il me manque. Ça, c'est quoi? Je peux mettre dedans? Oh, par contre, c'était pas loin. Disons que j'ai récupéré le 4. La réponse est le 4. 1, 3, 8. Ça se trouve, c'était juste ça. 1, 3, 8. Et gagné! Le café, c'est... C'est un peu fort pour toi. Oh, le café, c'est trop fort pour moi. Ouais, c'est, la boisson énergisante, ça nivelle mieux. Va dévoiler le secret. Bah zut, bon, si, c'était ça. C'était quasiment... C'était le même rapport. Et j'ai gagné. Qu'est-ce que tu dis? Non, je fais les trucs des îles. Ouais. Oh. Et là, j'ai gagné une part de gâteau. Il y a des graines dessus. Je suis sûr que celui-là, j'ai le droit. S'il n'y a pas de sucre. Moi aussi, je ne peux aucun stimulant. C'est compliqué si en plus ça favorise les tremblements et tout, c'est compliqué. Moi, ça me, c'est le palpitant pour le café, ça me... Encore un petit oiseau qui m'a envoyé un courrier avec une patoune et une patoune de poule. C'est une patoune de poule, ça? Patoune d'oiseau, patoune de poule. Allez, j'ouvre toutes les fenêtres. Allez, protocole Covid, j'ouvre tout. Hein. À la fenêtre, le gâteau. Mais oui. À l'oiseau. Ah bah non. Il en veut pas. On peut pas aller plus loin. On laisse ouvert. Le café qui est là, il est pas à moi. Je peux ouvrir cette porte. Je voulais pas ouvrir la porte. Sega, c'est plus fort que toi. Ouais, ouais, ouais. Je voulais pas sortir, en fait. Je suis sorti. Clinique pédiatrique. Il y a du monde.
Il y a du monde ici. Ah, les patounes qu'on a vues là. Ça, on a déjà vu. Je peux mettre le gâteau sur le banc. On peut re-rentrer, d'accord. On peut re-rentrer si on le souhaite. Mais est-ce que finalement c'est nécessaire? Ce n'est pas sûr. Le gâteau, elle est donc sur le banc. On va voir ce qui se passe ici. Un code. Un code, il me faudrait plus les morceaux pour rentrer. Oh, les petits oiseaux. Merci. Un morceau. Ah, les deux autres, ils sont partis avec les morceaux. Ah oui, il est en train de bouffer les... Tiens, allez. Où est passé le troisième? J'ai récupéré deux morceaux. Lui, il mange le gâteau. Mais le troisième, je lui ai fait peur. Il est peut-être rentré dans le café. Allez, éternue. Les pattes, c'est comme un sudoku. Il doit y avoir un truc comme ça. Et à mon avis, il va falloir recomposer... Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. Et je vous dis à la prochaine. Faudra recomposer le dessin, en fait. Merci beaucoup, Milky, pour ton beat. Et puis, merci beaucoup pour le bonne nuit aussi. A tout bientôt. Des bisous. N'hésitez pas à aller checker le stream de Milky, qui cherche à passer affilié. Il a les 50 followers. Il lui manque surtout maintenant des vues. Donc si vous ne savez pas où aller lurker le soir, n'hésitez pas à aller lurker chez l'ami Milky qui en ce moment est à fond dans Pokémon Unit. Ça l'aidera à passer affilié et encore merci d'être passé. Merci beaucoup Milky. Dors bien, des bisous à toute la famille. Une boîte. Une boîte aux lettres. Qui pour l'instant ne me servira pas. Les boîtes aux lettres en Italie, elles sont pas bleues. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être en Italie, mais non. Tous les soirs, à partir de 21h30. Je finis le boulot à 22, mais je pense fort à toi. Vivement l'affiliation. Oui, elle est éternue, elle a une allergie. Je pense que ça va être à l'intérieur. L'oiseau a dû passer à l'intérieur. Lui, on l'a déjà vu. Patoune, patoune comme ça. Il va falloir faire dans l'autre sens d'abord. Et re-chami. Patoune, patoune comme ça, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il faut faire les deux. Ceux-là. Ou l'inverse. Ce qu'il faudrait garder. C'est celui qui est représenté sur le courrier, celui-là. Non, ce n'est pas ça. Bon. On va les mettre encastrés, les petits symboles, ici. Il faut qu'on retrouve le dernier oiseau. Le dernier oiseau, il est parti. Oh oui, t'as raison. T'as raison, merci Chami. Merci, merci. Cette game, bien joué Oakley. Bien joué. Vous avez été plus rapide et c'est parfait. Merci beaucoup. Impeccable. J'ai même pas pensé à changer la catégorie. Non, j'aurais pas eu le temps. Là, t'as été vraiment assez trop rapide, Oakley. Bien joué. Et merci, Chami. Celui qui n'a pas de pattes. Parce que sur la lettre, il y avait ça. Si je ne dis pas de bêtises. La solution serait peut-être de retrouver le troisième. Non, c'est ici qu'il va falloir venir d'abord. Ça va d'abord se passer ici. Ce serait caché quelque part. Petit oiseau. Le petit oiseau, il s'est barré quand... Il y a une patoune en bas à gauche aussi. La patoune en bas à gauche, c'est celle-là. Je pensais qu'il faudrait que je reconstitue... Que je reconstitue la patoune avec ces mêmes symboles. C'est-à-dire ça, ça, ça et ça. Non.
Ouais, je vois ce que vous vouliez dire, ouais. Il fallait avoir tous les la place des symboles avec ce symbole-là, et la place avec tous les symboles ayant ce symbole. Pas loin. Ça, c'est la même. Donc ces deux emplacements-là, ils sont bons. Et le K... Ah, mais oui! Oh là là! Pas doué aussi. Oh, merci. Il était caché dedans, du coup. Oiseau messager. Oh là, pour le coup, j'étais pas été doué. Merci beaucoup. Heureusement que vous étiez là. Bien joué. Hop, on peut aller mettre notre petit symbole ici. Ouvrir. Si je chante une chanson à l'ancienne, Lénore va encore m'en vouloir. Bon, alors je chanterai pas. Ouais, ça faisait un thé. Merci. Hop. On se fait transporter par la musique. Elle a des converses. Pardon. Je sors du boulot, je ne suis pas concentré par tous les éléments qui sont nécessaires, je crois. Okay. Ah, t'es souhait. Donc le personnage est éternel. Ah, ça a pas l'air d'être des allergies là. J'espère que c'est pas le Covid. Hein. Oh bah oui, oui. Vas-y. Les clients qui doutent de rien à l'hôtel. Ils font oh, passe sanitaire, je l'ai et tout, machin. Ça arrive, ils portent pas le masque, ils toussent, ils éternuent, ils se posent pas de questions. Porter le masque quand même. Hein. On récupère la plume. Ouais, le fameux foulard qu'on a vu tout à l'heure. Le souvenir est reconstitué. Du coup, on n'avait pas besoin du crayon. Tu peux le ranger. C'est quand même la carrément meilleure ambiance. Quand je t'ai trouvé, j'ai gagné un autre succès. Les succès s'enchaînent vite sur Steam, c'est très agréable. Nous revenons dans l'appart que nous connaissons bien. Maintenant. Par contre, les fleurs, il va falloir les arroser parce que derrière, elles font un peu la tronche. Un gars dans le métro l'autre jour a enlevé son masque pour éternuer dans l'air. Allez, non. C'est... Mais faut avoir quoi dans la tête pour faire ça, quoi? Chanson va devenir un verre d'oreille dans pas longtemps. Je vais y aller, Émilie Dodo, et je sais qu'elle voulait voir le jeu. On regardera la VOD du coup. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup d'être passé déjà ce soir. Et puis, bah, du coup, je ne spoilerai rien sur le Discord, sauf éventuellement si on a fini le jeu. Je marquerai si on l'a fini en une fois ou pas. Mais merci d'être passé. Des bisous à vous deux. Et on m'avait fait la même en Escape. Oh, y a de quoi devenir fou. Y a de quoi vraiment s'énerver. On va récupérer ceci. On n'a pas la clé, donc il va falloir arroser les fleurs. Et pour ça, il me faut de l'eau. Il y en a là, de l'eau. On arrose la plante. N'hésite pas à stream, des fois, j'hésiterai, t'inquiète. Allez, des bisous, dormez bien. Bisous au Cli. La clé, on va plutôt l'utiliser sur ça. Pour ouvrir le livre de souvenirs. C'est dommage qu'il y ait ce système d'acouphène de son strident là. C'est dommage. Hello, c'est moi, je suis de retour. Hey. Coucou ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, je te demande comment s'est passée ta journée quand même. Ouais, mais bon, coucou ma chérie. Oui, oui, coucou ma chérie, tu m'as tellement manqué. C'est... Non. On est au-delà de tout ça, maintenant c'est... Je fais de l'acouphène que je peux contrôler maintenant.
on a de la chance de pouvoir contrôler, parce que moi, ça m'inspire. J'en fais pas souvent, mais c'est très gênant. Très, très gênant. Fais un stream ASMR Isaac pendant qu'Emily dort à 2h du mat. Les OST d'Isaac dans le casque pendant la nuit. On a récupéré une petite fleur. Une vache, c'est du lait. La petite fleur, on la met là-dedans? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Si je te donne la fleur, ça marche pas non plus. Les fleurs, elles ont un peu... elles ont une drôle de tête quand même. Pour une sale mine. Une tasse. Des épices. Du lait. On pose la tasse. Ok. On verse du lait là-dedans. Oui, on verse du lait là-dedans. On jette le lait dans l'évier. Ok. Ça va faire une couleur immonde. Ça va faire une couleur immonde. Donc, il va falloir trouver quoi leur préparer. Lui, il veut un lait avec des petites graines. Des petites graines de je ne sais pas quoi, là. Cette graine-là. Il veut du lait. Il veut des graines comme ça. Qu'on lui verse dans sa tasse. Voilà. Cadeau. C'est pas ça que tu voulais. C'est pas ça qu'il voulait. Mince, il voulait la vache qu'elle est avec. Non. Ça ne peut pas être ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Des allumettes. Ah, faut peut-être le faire chauffer. Moi, je lui sers froid directement. Tiens, tu veux un chocolat? Bon. J'ai cru que c'était Lisande. Mais Lisande, là-dessus, il est comme moi. Hein. C'est bon, tu fais pas le chauffer, bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est nous qui lui avons appris ou si c'est des goûts personnels qu'il a déjà. Mais on lui propose chocolat chaud ou chocolat froid, et il nous dit chocolat froid. Le four, tiroir, l'extincteur, c'est important, la sécurité. Ça, je vois pas comment. On va faire chauffer. On va faire chauffer, mais où? Mais où? C'est de la respiration contrôlée en ouvrant très grand la mâchoire. Fais l'autre service. Il faudrait que je repose. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Elle voulait la petite fleur avec ces feuilles-là et ces feuilles-là. Ok. Parce que j'ai pas d'autre tasse. Faudrait que je chope une autre tasse. Non, la bougie, elle est là. Ça y est, j'ai trouvé la bougie. Bah oui, ça va mieux marcher. Elle est là, l'autre tasse. Mais oui, merci. Et encore une fois, tu l'avais vu avant moi. Hop, voilà. Bon, ne pose pas la question de savoir ce qu'il y a eu dans cette tasse avant. Hein. Je peux lui verser de l'eau? Non, faut mettre du lait. Elle prend pas de lait, c'est pas du lait avec. C'est pas du lait. Il faut ça. Et il lui faut quoi d'autre? Ces feuilles-là et ces feuilles-là. Ça va être celle-là? Ça? Peut-être que je récupère la tasse. Non, ça va pas marcher. Non. Peut-être que je... Non, bah non, toujours pas. Fait que je remette des fleurs dedans. Il n'est peut-être pas assez. Non, ça a l'air bon. Je les mets bien aux bons endroits. Ah, fallait que je clique sur ce truc-là. Ok. Le service se dressait comme ça. Ok. Ping. Des petits gâteaux. Oh, vous croyez que c'est des tuiles au parmesan? Ah, si c'est des tuiles au parmesan, on a récupéré les gâteaux. On a récupéré une assiette. Des gâteaux. Ça, on s'en fout. Tu prends un gâteau, voilà.
mangez vos gâteaux. Mangez pas tout de suite, j'en ai pas refait. Allez, vous faites moite moite. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Pardon. Oh. Symphonie de l'heure du thé. J'ai gagné aussi que c'est Steam. Et les souvenirs se reconstituent dans le livre. C'est vrai que ça, la ritournelle va bien rester. Donc pour l'acouphène, c'est de la respiration contrôlée en ouvrant très grand la mâchoire pour stimuler l'acouphène et pour le faire sortir ensuite doucement en bâillant le plus grand possible. Ah, après plusieurs essais, ça c'est saut. Ça marche trop bien sur moi de me parler de bâiller, c'est je baille. Il y avait une autre énigme ici que nous n'avons pas faite. Je suis pas sûr qu'elle était nécessaire. On peut y retourner en plus. Ok. Là ça marche trop bien. Après pour les acouphènes, il faudrait que j'essaye. De respirer, de bailler. Pardon. Et vous voulez... Ça, c'est toi qui veux. Une pelle, personne ne veut de pelle. Dans le château, il y a un truc là, mais on ne sait pas quoi. Non. Alors, là, il y a une montgolfière. Tic. Une glace chacun. M-D-A-E-T, My Dearest. Oh, c'est mignon. C'est choupi. Ok. C'est très mignon. J'ai récupéré un drapeau. Que je peux mettre sur le château. Là, il va y avoir un drapeau qui était caché. C'était garanti qu'il allait y avoir un drapeau caché sur la banderole. J'ai récupéré... Oh, il y avait une tortue dessous. Oh bah, elle est belle ta maison. Allez. Et je récupère un coquillage. Un coquillage, il manque une étoile de mer. Il me manque la petite fleur que j'ai déjà, donc il me la manque pas. Il me manque une étoile de mer. Il est là. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose à observer ici? On peut retourner dans la maison. Pour faire cette énigme que je n'ai pas là. Ça veut dire qu'il faudra qu'on revienne ici. Je ne m'inquiète pas. Comment on interagit? Ah, il me faut les bouteilles aussi, éventuellement, oui. Si j'avais les bouteilles, ce serait plus simple. Les bouteilles. Le bâillement, c'est ton cerveau qui va prendre une bouffée d'air pour s'oxygéner. Ça marche tellement bien. Une alerte bâillement, ce serait le pire truc pour me... Bon, après, on est le soir et c'est la fatigue, mais quand même. Il va prendre une bouffée d'air pour s'oxygéner pour la fonction dont il a le plus besoin. Bien souvent, c'est une demande directe pour un repos. Ça va diminuer le stress de la journée. Ça se tient, en effet. Ah ouais. J'ai l'air de t'être bien informé sur la question. Ouais, ah, ça fait du bien de bailler. Donc je suis complètement rincé avant d'aller bosser. Ah ben ils ont... Il la tient dans sa main, la bouteille. Non. Ok, je mets tout ce qu'ils m'ont dit dans une bouteille. Il faut pas réfréner les bailleurs. Après, c'est pas facile au boulot. Par contre, je suis super faible à ça. Hein. C'est ouf.
Vous voulez dessiner, mettre un petit papier avec des notes dedans. Oh, c'est joli. Ça va dans la bouteille que nous allons jeter à la mer. Comme une item. On va la jeter à la mer, la bouteille. Oui. La petite photo. Ah, t'as qu'à grimper. Tu grimpes là. Voilà, on reconstitue les souvenirs. La mélodie qui se compose également. Mélodie basée sur ses souvenirs. Oh, t'es monté. T'es monté, château. T'es monté. Je t'embête pas trop, sinon tu vas me griffer, me croquer. Je te connais. Et nous découvrons un endroit supplémentaire. Et à chaque fois, on accumule un objet. Il va nous servir pour la suite. Là, ça ne va pas s'ouvrir. Ça, c'est plus tard. Alors, on continue. On avance. Ça, c'était l'écouteur. Bah oui, mais t'es coincé. Bah oui, t'es coincé, évidemment. J'ai embarqué l'écouteur et il était coincé. Alors, pourquoi ça se passe pas bien? C'est pas grave, profitez de ce moment. C'est super joli. Du feu, du vent, une constellation. Du feu, on a des allumettes. Voilà, ça fait une note. Du vent, du vent, du vent, du vent. Là, il y a un sac. Là, il y a... Ah, mais on peut le découper. Faut trouver le patron de ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, faut d'abord... Il va falloir des ciseaux, en fait, dans cette histoire. Le papier pour faire la rose des vents. Ouais, il va falloir faire ça. Mais il va me falloir un outil pour ça. Les constellations, on verra plus tard. Ah, il va manquer quelque chose là. Ok, il manque plusieurs choses. 1, 3, 4, 2. On peut tourner l'heure qu'il est sur chacune. Ah non. Il faut les ciseaux. Bon. On a un violon ici. Là, on a la constellation. C'est la constellation du taureau, ça. Tac, 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 tac. Ça ressemble à la constellation du taureau. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Là, on a quelque chose. On a un petit bâton planté dans le sol. Tellement romantique. Bah ouais, c'est mignon. C'est super mignon. Il me manque un truc au niveau du feu. Ça ne va pas m'aider. D'accord, j'ai réussi à trouver une constellation. La constellation de... C'est quoi ça comme oiseau? J'ai réussi à la trouver. C'est ça qui... C'est pas ça qu'il me fallait. C'est pas ça qu'il me fallait. On peut chercher le taureau. Là, il y a autre chose. Non, je voulais continuer. Je voulais continuer parce qu'il y avait... Là. Ça ne passe pas. Là, on peut reconstituer celui-là, mais il faut en constituer d'autres. Pour en constituer d'autres, il me faudrait des emplacements différents. Et là, là, ça c'est le taureau. Le taureau, il sera là. Très bien. Et comment je le constitue, le taureau? Comment je fais pour avoir des points là, bien alignés? Il me manque une étape. Oh!
Il me manque pas grand chose. Il me manque pas grand chose et on n'a pas encore vraiment utilisé la voiture pour l'instant. Et ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais si, c'est ma feuille de papier, je suis bête. La feuille, on la pose là. Ensuite, il me faut des ciseaux et j'ai pas de ciseaux. Il me faut des ciseaux. Il me faut des ciseaux dans le sac à dos. Il n'y a rien qu'on peut sortir. Par contre là j'ai récupéré la lentille de l'appareil photo. Il va me permettre d'aller observer ici. On va pouvoir regarder le taureau. Cette fois-ci, ce sera bon. Ça s'aligne, pas de problème. C'est pas du tout un taureau. Sur la table, tu as le code de la boîte. Oh. Celui-là. Une 15, une 30. Rien, rien. Une 15, une 30, rien, rien. On a reculé d'1h15. Donc ça va être le même que... Ça va être le même que le 4. Ce serait celui-là. Attendez. On a reculé d'1h15. Là, on a avancé d'1h30. Entre le 2 et le 3. Non. On a reculé d'1h30. On a reculé d'1h30 et on recule encore d'1h30. Là, il est 5h05. Donc, il sera 3h35. C'est 3h05. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais on avait compris le principe. Le cadenas 1 est à une 15. Mais c'était ça. Bien joué. J'avais même pas fait gaffe que c'était les codes pour les heures. Yes. Les ciseaux sont trouvés. Oh, et un sandwich. Un sandwich. Trop bien. Pardon. Excusez-moi. J'ai vu un sandwich, c'est bon. Je pensais qu'avec les ciseaux, je peux récupérer le fromage qui est dedans. Eda. C'est du Eda. Est-ce qu'avec les ciseaux, je peux faire quelque chose ici? Non. On va aller faire notre petite. Séance de découpage. Il me manque un truc. Il me manque un petit point rouge. Il me manque un... Un petit point rouge que je n'ai pas récupéré. Genre une épingle. Il me manque un petit truc. Coupe les cordons du sac à dos. Je n'ai plus accès aux ciseaux. Malheureusement. Il me manque une petite épingle. Il va être genre sur une pièce précédente. Une petite épingle rouge comme ça. Il n'est pas impossible qu'on ait à retourner plus loin. Non, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Je pourrais toujours prendre un indice, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre d'indice dans ce jeu. Ça, on l'a fait. Et est-ce qu'il y aura un autre, une autre constellation à repérer? La réponse est négative. Cette petite épingle rouge... Et ça, je vois pas ce que ça peut faire.
au coup du sandwich là. Le sac à dos, est-ce que quelque chose s'est débloqué? Non. J'ai peut-être pas fini avec... Il me manque cette petite épingle rouge. Qui pourrait constituer une épingle. Ça, on l'a déjà vu. Ce ne serait pas ça. Sur la porte ici. Qu'est-ce qui pourrait être une épingle? Là? Non. J'ai forcément raté un truc avant, hein. J'ai forcément raté un truc avant. Pour le coup de cette épingle. Ça, on l'avait renversé déjà tout à l'heure, on avait trouvé. Ça, c'était la tortue, c'est bon. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de tableau en liège avec quelque chose d'accroché. Ça, je n'ai pas encore accès à ça. Si ça se trouve, elle est là, la soluce. Hein. Et nous sommes officiellement coincés. On a pu y toucher. Je vois pas, on va être obligé d'utiliser un indice. On va être obligé d'utiliser un indice. J'ai cliqué dessus. Ça brille où? Là? J'ai cliqué sur un indice, mais je n'ai pas vu où ça m'a... Ça m'a éclairé. Ici? Ah, ça m'affiche où je peux observer. Ouais, ça on avait vu. Les lettres ont leurs propres chiffres, bâtonnets des glaces. Je vais fermer le magasin. Des bisous tonton Kamel. Merci Chami, des bisous à toi. Bonne nuit, bon repos. Et merci d'être passé. Ouais. Ouais, on va aller observer ça. Qu'est-ce qu'on aurait raté ici? Rien. Bon, ça, on avait tout vu. Eh bien, les indices n'en disent pas trop. Je sais pas si ça va être ça. My dearest, qui montre vers le haut. Non, j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Parce que là, on va être au-dessus de 10. Au-dessus de 9, quoi. Par rapport aux lettres.
Ouais, il y a sans doute un truc avec le cadenas, par contre. My Dearest Ice Cream. Oui, d'accord. Faut taper là-dessus. My Dearest. Quel code aurions-nous à taper ici? Là, il n'y a pas de code. Là, il n'y a pas de code. Est-ce qu'on aurait eu un code? Attendez, il y a une lettre A qui est soulignée. Il y a le E qui est au-dessus. Ce serait 1 et 5. Là, ça fait un bonhomme. Là, il y a une flèche. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Il y a le même symbole à côté. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9. 9, 3, 5. 3, bah le R il passe pas. Et ça là le truc en fait. Il nous faut le 9, le 3, le 5. Mais non. Parce que ça va être ceux qui vont être entourés quoi. Par exemple le M, il y a une flèche. Ah mais non. Pardon, je réfléchis mal. Il y a 10 symboles ici. Il y a 10 lettres ici. Il faut voir celles qui sont en commun. Le M, il va y être. Donc, oui. Ça y est, j'ai compris. C'est la position des lettres. Oui, ça marche, Donosprey. À plus tard, merci. Le A, il est bon. Le C, il est bon. Le E, il est bon. Non, mais... Réfléchis mieux. Tac, tac, tac. Un, trois, quatre. Un, trois, quatre, deux, trois. Oh, dis donc, j'ai eu du mal sur celui-là. Et c'est pas ça ? Pour rajouter le 0. Non. Voilà, ça fait ice cream. Sur les lettres qui collent, quoi. I, D, E, A, R, E, S, T, ice cream. Si on inverse, ça ne marche pas. My dearest. Ça ne va pas être ça. Nickel. Tu vois le logo des glaces, les lettres qui ont un symbole à côté sont celles à cocher. Ok, d'accord. Ok, donc ça va pas être le E qui va être là. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 8, 9. Et le point.
celui-là, il a un symbole. Celui-là, il a un trait. Le S, il est stylisé, là. Le E, il est atypique. Le Y, il est là, il est atypique. Lui, il a un 2 traits. Le point, pas forcément. On va les compter dans le bon sens. 1, 3, 5, 6, 7, 9. Cinq, six, sept, neuf. Allez, on va essayer ça. Ah non, je me suis trompé d'endroit. Dommage, cette énigme, elle a complètement pété le rythme du jeu. C'est pas ça. Pas ça non plus. Avec le 0 non plus. Oui, complètement. J'ai essayé plusieurs combinaisons. On met de la crème dans les plats à crème glacée et retrempe les bâtonnets. On sera mieux comme ça.
va prendre une glace pour trouver l'énigme. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Là, il y a un symbole. Je l'ai mis. Pour en refaire ? Ça se trouve, ça apparaissait sur la glace au début. Non. Non, ça va pas faire ça. On va prendre ça, on garde ? Non. Je peux garder ça ? Non, je peux pas. Si je regarde en dessous... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que oui, de toute façon, on va s'arrêter là. Parce que là, je ne sais pas. Tu veux me donner mon avis, ton avis dessus? Je comprends pas. Oui. Et qu'on est à gauche, ça ressemble à quelque chose? Pas du tout. Oups. Et ça fait quoi? C'est n'importe comment. Ah, t'as juste ça et c'est tout? Et ensuite, j'ai un digicode avec les chiffres de 1 à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Coucou Yuki, comment ça va? Je mets un peu plus. Voilà, Pikachu ne fait plus dans la place. Oh. Et t'es censé faire quoi en fait? Je suis censé ouvrir. Le chargement est long ici. Ça va et vous? Bah on est bloqué sur une énigme et on comprend pas. Je suis censé ouvrir ce code. C'est à combien de chiffres? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. D'accord. On sur le bâton encore? Oui. Les bâtons. Oui, on retourne sur les bâtons. Parce qu'il y avait des trucs, il y a... Oui. Là, t'as un... Ouais, il y a une flèche. Là, oui. Là, t'as ça. Ouais. T'as deux. T'as des trucs, tu vois. Mm-hmm. Et là, t'as un train en dessous. Mais je prends lesquels? Je peux prendre le 1, je peux prendre le 7. Le 6 aussi. Celui-là? Ouais, mais il n'y a pas de Y ici. Tu vois? 1, 1, 3, 6. Celui-là, est-ce qu'il compte? Non. Non, parce qu'il n'y a pas le S. Le T, il n'y a pas. Donc ce serait 1, 3, 6, et puis un 0. C'est lui, t'as. 8, 6, 7. Pourquoi 7? Parce qu'il y avait 1, 3, 7, 0. Voilà.
Et alors, pour savoir combien il y en a, je ne sais pas. Est-ce que ce symbole des glaces a une importance en elle-même? Est-ce que c'est vraiment... Je ne peux même pas écrire ice pour ice cream, puisqu'il n'y a pas de i dans My Dearest. Bouton sur le bouton. Je vais te faire y aller. Mais ça, ça fait déjà ça en fait depuis quelques minutes, malheureusement. Parce que le M ressemble à un 3 sur le côté, mais à part ça. Le Y ressemble à un petit bonhomme. Il n'y a pas aussi des petits trucs là? Ouais, il y a des petits trucs sur le T. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Dessiner. Faire tous les trucs où il y a des dessins. Quoi. Fais voir tout l'endroit. Alors à l'intérieur, on a regardé, il n'y avait pas de chiffres en particulier. Ici, on n'a rien d'autre à regarder. Là, les montgolfières ne servaient à rien. Voilà, on n'a pas d'autre endroit à regarder ici. Ici, on a le seau qui est renversé. On a ici un coffre qui est fermé. On a juste derrière cette zone. Nous pouvons regarder ici. Mais ça, c'était le mode d'emploi pour les horloges. Et il nous manque d'ailleurs toujours deux morceaux à récupérer dessus. Nous avons ici la constellation qui est là. Et qui nous a rien apporté de spécial. Est-ce que vous pouvez regarder aussi? Nous avons... Ah non, c'est pas sérieux, c'était ça. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée de génie. Regardez le sandwich, il va nous servir à ça. C'était le sandwich, j'y crois pas. C'était le sandwich. Et des A. Point. Je me disais aussi pourquoi c'est pas marqué Edam. Oh, c'est peut-être un nom déposé. Oh, c'était le sandwich. C'était le sandwich, regardez. 7, 2, 3, point. 7, 2, 3, 0. C'était la faute du sandwich. J'ai récupéré un pied de biche. Et maintenant, on va avancer du tonnerre. Non, vas-y, il est 1h30. On va ouvrir le coffre. Paf, on a récupéré la punaise dont on avait besoin. Mais là, ça va aller super vite maintenant. Bah ouais. Mais j'avais vu le sandwich, mais je comprenais pas. Aïe, aïe, aïe. Donc là, ça, on le met là. Fouette. On récupère. On va chercher le petit bâton. On fait... Ça fait pousser la fleur, dis donc. Waouh. Mais c'est mignon, c'est romantique. Mais oui, c'est romantique. Hop là, le petit souvenir. La mélodie qui avance. On a avancé. On a avancé. Je te mets un Beatle. Minitel. Oh là là, oh là là, tu te débats pas. Oh non. Non, non, tu vas me griffer. Tu vas me griffer. Non, non, tu me griffes pas. Non, oh non. Et on a réussi à avancer. Oh, yeah. On passe au monde suivant et je sauvegarde et puis on fait un... Mouh Mouh. Ah maintenant il joue de la flûte. Il ne joue plus de violon. Ah si, vous jouez ensemble.
C'est pas la fin du jeu quand même. Ah, il est en train de tousser. Il est en train de mourir. Il est en train de... Ouais, ouais, ça se passe pas bien là en fait. Quand nous étions ensemble... Oh mon dieu. D'accord. Oh, je peux pas... Ah ouais. Ah ouais, ça se passe pas bien là d'un coup. Regarde à quel niveau du jeu nous sommes. Je regarde à quel niveau du jeu nous sommes parce qu'on a tout déballé en fait. On a tout déballé. Désolé, j'étais au téléphone. Pas de problème. Est-ce qu'on est à la fin du jeu ou pas en fait? C'est ça que j'essaie de voir. Je me permets juste de regarder ça pour voir si je vous laisse pas juste avant la fin du jeu. À la fin. Non, on n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin, il reste deux chapitres. Donc on va s'arrêter là.